Ça, pour dire, c'est un. C'est le système original d'Expo 67. C'est un projecteur 70-35 fourni par la compagnie Zeiss qui, effectivement, ils ont fait, je dirais peut-être 90% de l'installation d'Expo avec une compagnie locale qui s'appelait Atlantic Film. Okay? Non, n'oublie pas que Zeiss Ikon était aussi la compagnie experte dans l'optique qui faisait tous les planétariums du monde. Alors, c'était une évolution naturelle pour eux qui avaient, qui avaient la technologie pour produire les projections qui n'étaient pas nécessairement pour les salles de cinéma. Parce que l'application à l'Expo était venue pas seulement film, qu'on voyait un film, on voyait un film avec beaucoup d'applications, multi-screen, grand écran. Alors, ça prenait effectivement un changement énorme au niveau de comment c'était présenté. Des technologies de projection, oui, c'est ça. Puis juste le fait que c'était intensif, non-stop, pendant six mois. Exact. Et pour que ça marche. Ça mettait beaucoup de pression sur les systèmes de projection. Pour les systèmes. Alors, la fiabilité de 35 mécaniques et 70, c'était là depuis le début du siècle. On a des projecteurs de 1900 qui encore sont capables de marcher. C'était pas ça. C'était surtout au niveau de la source lumineuse et les modifications au niveau du son qui sont devenus très intéressants avec le temps. Mais la mécanique de base ne change pas beaucoup. Naturellement, les Allemands, en étant des perfectionnistes, au lieu de mettre des rouleaux en métal qui deviennent en rouille, ils ont fait un alliage avec chrome, des sprockets en chrome, du métal poli. Alors, la technologie allemande, naturellement, était toujours portée vers une longévité extraordinaire.